Après un voyage qui a duré environ 10 heures, athlètes, staff technique et officiels ont atterri ce matin à l'aéroport Houari Boumedienne d'Alger à bord d'un vol spécial. À peine arrivé sur les lieux, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lhadi Ouldali, ainsi que Mustapha Barraf, président du comité olympique algérien, se sont prêtés au jeu de questions-réponses avec la presse. Le chef de la délégation algérienne, Ario Ammar Brahmia, dont la présence de sa famille, Ario, avait fait couler beaucoup d'encre, a lui aussi tenu à s'expliquer. Je suis un responsable, je ne répondrai à personne, on se verra lors de la conférence de presse et j'expliquerai tout. Personne ne peut prétendre que j'ai payé un billet à ma femme ou à ma fille. Mes enfants ont toujours été présents lors des Jeux Olympiques pour supporter les athlètes. Ils ont fait quand même des prestations très honorables, où nous sommes fiers d'eux. Maintenant, il faut se projeter sur l'avenir, et l'avenir du sport national. Il est là, il se prépare aujourd'hui. Les athlètes qui n'ont pour leur part pas pu passer le cap des quarts de finale, voire même le tour éliminatoire pour certains, ont estimé que ces Jeux Olympiques ont été une occasion de se confronter au haut niveau. Ça a été un peu dur vu les conditions climatiques, mais c'est assez satisfaisant d'être passé en quart de finale. Je pense que nous avons fait une participation honorable. Nous voulions revenir avec des médailles, mais l'arbitrage n'a pas joué en notre faveur. Trois boxeurs ont obtenu la cinquième place et c'est déjà une satisfaction pour nous. Je suis très content de cet accueil qui nous a été réservé. Je remercie tout le monde qui est venu aujourd'hui, ainsi que le peuple algérien. Je suis satisfait du résultat que j'ai réalisé. La page des Jeux Olympiques de Rio peut à présent être tournée. Le moment est venu de tirer les enseignements et se concentrer sur les échéances à venir. Il est à noter qu'une conférence de presse sera tenue ce lundi au siège du COA par Ammar Brahmia.